je m'en rappelle quand mon père a ramené Gazelle à la maison. Et j'ai été tout de suite attiré par ce cheval, même si pourtant elle n'était pas splendide. C'était un cheval commun. Et ça a été un moment incroyable à vivre. C'était le cadeau le plus grand qu'on puisse me faire. Et ça a vraiment donné la gaieté dans ma vie. Gazelle m'a appris ce que c'était qu'un cheval. Avec Gazelle, j'étais dans un monde qui était totalement silencieux, de sensations qu'on n'a pas l'habitude entre les êtres humains d'utiliser. Il y a des fois, je pensais quelque chose et j'avais l'impression que la jument avait reçu l'information. Et c'était très subtil, un monde qui était sans trahison, très simple, où on accepte tout le monde tel qu'il est. Et ça, je m'en rappelle que petit, ça m'a fait énormément de bien. Un jour, il est arrivé ce qui devait arriver. Gazelle a vécu encore plusieurs années après la prière. Et un jour, je l'ai retrouvée morte dans son champ. Mais je m'en rappelle que j'étais pas bouleversé. Parce que ce vieux cheval qui avait été parfait toute sa vie est mort parfaitement. Il n'y a pas eu de souffrance, ça a été comme ça dans la nuit. J'ai l'impression que ma jument s'était endormie. Et ça, je me rappelle que ça m'avait fait du bien. Tout naturellement, après, j'ai continué avec sa fille, avec d'autres chevaux qui sont venus. La relation que j'avais avec Gazelle était spéciale. Mais je me suis rendu compte, en fait, que tu pouvais avoir une relation spéciale avec chaque cheval. Mais qu'avec chaque cheval différent, tu avais une relation différente, comme avec les êtres humains. Tu n'aimes pas plus ou moins un être humain, forcément, mais tu l'aimes différemment, comme avec mes enfants. Autrement dit, l'être humain est plus intelligent, mais à un être humain, tu peux mentir. Un cheval, tu peux pas mentir. Et c'est cette subtilité-là qui empêche la possibilité du mensonge. Pour être vraiment en communication avec lui, il faut avoir cette sérénité interne, ce bien-être, qui fait que toutes les petites tensions s'échappent. Quand ça part, la communication sensible avec le cheval peut venir. C'est un animal qui est d'une puissance incroyable. Pour moi, cet animal, c'est vraiment sur Terre comme une grâce.